Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo actualité mercato du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de news, je vous mets le menu juste à côté de moi. On va parler de Chiesa, on va parler de Sangaré, on va parler des ventes et on va parler du duel un petit peu Neymar versus Mbappé. Si vous passez un bon moment les amis et si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça aide énormément pour le référencement. Pareil pour les commentaires et abonnez-vous, on est à ça des 10 000 abonnés. Peut-être qu'au moment où toi tu regardes la vidéo, on a déjà passé les 10 000 abonnés et il y aura des cadeaux qui vont arriver cette semaine pour fêter ça. Et donc la première news les amis, c'est que Federico Chiesa serait ciblé par le Paris Saint-Germain pour un montant qui avoisinerait les 50 millions d'euros. C'est en tout cas ce que nous révèle la Gazzetta, le célèbre journal italien qui dirait que Chiesa aurait peut-être des envies de départ puisqu'il ne s'entend pas forcément avec Allegri qui préfère le mettre dans l'axe alors que lui préfère jouer plutôt très côté gauche. Et 50 millions d'euros ça resterait possible pour nous le Paris Saint-Germain grâce à la vente de Neymar qui nous rapporte à peu près 90-100 millions. On en reparlera dans les ventes tout à l'heure. Alors je vais vous donner mon avis, est-ce que Chiesa est une bonne idée selon moi? On va analyser ça, on fera la même chose pour Sangaré juste après. Donc Federico Chiesa, c'est un joueur de 25 ans qui est estimé à 40 millions d'euros sur Transfer Market. Il est en contrat jusqu'en 2025. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ailier gauche qui fait 1m75, un ailier un petit peu virevoltant. On reviendra sur ses points forts et ses points faibles juste après. Cette saison, ça n'a pas été une grosse saison encore pour lui puisqu'il a fait seulement 21 matchs mais seulement 6 titulaires pour 40 minutes par match en moyenne. Il a quand même fait 5 passes décisives, ça reste à souligner puisqu'il a très peu joué. Donc faire 5 passes décisives avec ce si peu de temps de minutes jouées, bah c'est très très bien. Alors si vous vous demandez pourquoi il n'a pas joué, c'est comme d'habitude, Federico Chiesa, c'est un joueur qui se blesse énormément. Remplacer Neymar par un joueur qui se blesse énormément, c'est assez logique. Donc voilà, les blessures depuis 2020, vous voyez qu'il y en a énormément. Il a eu les ligaments croisés en 2021-2022, mais cette saison c'était plus des petites blessures qui arrivaient fréquemment. Donc il a quasiment loupé la moitié des matchs cette saison pour des problèmes de genoux, pour des fatigues musculaires, pour des problèmes au tendon, mais en général c'est plus au genou qu'il est assez fragile. Bah là où il s'est fait les ligaments croisés. Donc ça reste un point hyper important quand on recrute Chiesa. Faut savoir que c'est pas un joueur fiable, un petit peu comme Ousmane Dembélé, un petit peu comme Lucas Hernandez, un petit peu comme Verratti par exemple. C'est des joueurs qui se blessent énormément. Et concernant ses attributs techniques les amis, là je vous mets ses statistiques F bref, vous connaissez, je travaille beaucoup avec ce site internet. Là où il est intéressant les amis, c'est les progressive carries, 4,52 progressive carries par match, ça veut dire que 4,52 fois par match en moyenne, il va prendre la balle, il va éliminer, il va casser des lignes grâce à sa portée de balle et grâce à ses dribbles. Autrement dit, c'est un ailier qui a de la personnalité, donc il est dans le top 83% des ailiers d'Europe, donc c'est pas mal, c'est même bien on va dire. Là où il surperforme totalement, c'est en termes d'assist, 0,42 passes décisives par match, c'est énorme, c'est mieux que 97% des autres attaquants, milieu, ailier du top 5 européen. Et défensivement, c'est un joueur intéressant en termes de tacles par exemple. 2 tacles par match pour un ailier, c'est très très bien. C'est aussi pour ça, je pense, que Luis Enrique s'intéresse à lui. C'est parce qu'on l'a vu face à Lorient et en pré-saison, c'est qu'il y a un pressing qui est monstrueux mis en place par Luis Enrique pour asphyxier l'adversaire. Donc là, il cherche à recruter vraiment des joueurs qui ont des volumes de course et des joueurs qui sont capables d'aller presser. Pas comme l'année dernière avec le trio Neymar, Messi, Mbappé. Là, c'est vraiment différent. C'est vraiment un jeu où on va asphyxier l'adversaire le plus haut possible. Donc je vais vous donner mon avis sur la possibilité que Chiesa vienne au Paris Saint-Germain. Personnellement, je trouve que ça reste une bonne idée pour ce prix. 50 millions d'euros pour un joueur qui est aussi talentueux que ça, c'est quand même intéressant. C'est à noter aussi les amis qu'il s'entend très bien avec Mbappé. On l'a vu dans ce mercato qu'on met tout en place pour Mbappé. Ousmane Dembélé, c'est le pote d'Mbappé. Lucas Hernandez, on a recruté un vrai numéro 9 comme voulait Mbappé. On a dégagé Neymar comme Mbappé voulait. Et donc là, Chiesa et Mbappé, on sait qu'ils s'entendent bien puisque Mbappé, lors de PSG Juventus, il avait dit que pour lui, Chiesa était un des meilleurs joueurs au monde à son poste et qu'il était très content qu'il revienne de blessure. Donc voilà, on sait que Mbappé apprécie Chiesa. Je pense que ça rentre un petit peu dans la balance pour ce transfert. De toute façon, Mbappé, on a l'impression qu'en ce moment, c'est le directeur sportif du PSG. Luis Campos, je sais pas à quoi il sert, c'est Mbappé qui fait tout. Mais voilà, pour moi, ça reste comme une bonne idée pour 50 millions d'euros en termes de remplaçant. Chiesa, c'est hyper bien. Imagine, t'es en galère dans un match, tu pourrais potentiellement faire entrer Chiesa ou Barco là par exemple, alors que tu as déjà Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sur les côtés, bah ça reste quand même bouillant. Faut voir s'il va pas se blesser comme d'habitude avec les joueurs comme ça qu'on recrute les amis, ça reste des paris. C'est comme si le PSG était au casino et posait 50 millions d'euros sur la roulette, soit ça finit en rouge et il va se blesser, soit ça finit en noir et ça va être une réussite et il va pas se blesser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis, est-ce que vous serez plutôt pour ou plutôt contre une arrivée de Chiesa au Paris Saint-Germain? Moi je serais plutôt pour, mais j'ai quand même des réticences. Après en termes de remplaçant, ça reste quand même très qualitatif. On passe à la news numéro 2 les amis, et là c'est encore plus concret que Chiesa puisque c'est pas une simple rumeur évoqué par la Gazzetta, là c'est vraiment quelque chose de concret. Ibrahim Sangaré est vraiment pisté par le Paris Saint-Germain. C'est ce que nous révèle Fabrice Hawkins, le numéro 1 du mercato du Paris Saint-Germain, bien devant Fabrizio Romano. Il nous révèle que le PSG a relancé la piste Ibrahim Sangaré. Négociation en cours pour convaincre le milieu défensif qui a une clause à 37 millions d'euros. Il y a une concurrence avec le Bayern de Munich sur ce dossier et avec le départ de Neymar et peut-être Verratti, Paris veut recruter deux milieux, un créatif et l'autre plus athlétique. Là en l'occurrence c'est un milieu très athlétique. Et c'est une rumeur qui a été confirmée directement par l'agent d'Ibrahim Sangaré. Il a dit dit que le Paris Saint-Germain était intéressé, tout comme le Bayern Munich ou même Liverpool. Donc voilà, là c'est même pas une rumeur, c'est quelque chose de très concret, donc je vais vous donner mon avis. Est-ce que Ibrahim Sangaré serait une bonne recrue ou une mauvaise piste pour le Paris Saint-Germain? On va analyser ça ensemble. Donc pour ceux qui connaissent pas, Ibrahim Sangaré, c'est le numéro 6 du PSV Eindhoven, il jouait notamment avec Xavi Simon cette saison. Il est estimé à 35 millions d'euros sur Transfer Market, donc la clause à 37 millions est plutôt juste. Lui aussi a 25 ans comme Chiesa, mais il fait 1m91 et il est international ivoirien. Il a marqué 9 buts en 31 sélections pour un milieu de terrain, c'est excellent. Et lui, contrairement à Chiesa, il se blesse pratiquement jamais. Là, je vous ai mis toutes ses blessures durant sa carrière et il a seulement 5 blessures depuis 2018-2019. Et les seules blessures qu'il a eues sur les dernières années, c'est seulement parce qu'il était malade. Il a raté un match à chaque fois, donc c'est vraiment un joueur 100% fiable. Ça, c'est énormissime. Concernant sa hitmap et son positionnement, les amis, c'est un vrai milieu box-to-box qui joue plutôt sur le côté droit du milieu de terrain. Ça, c'est hyper intéressant pour nous parce qu'on sait que le côté droit, c'était un petit peu le point faible au Paris Saint-Germain. Donc avoir un milieu sur le côté droit qui est capable de se projeter, c'est quelque chose qu'on recherche. Un petit peu comme Warren Zaïre-Emery sait le faire, mais je pense que le PSG cherche à lui mettre quelqu'un devant lui, un titulaire devant lui, pour qu'il continue d'apprendre et à progresser à son rythme. Ibrahim Sangaré, ça reste un milieu athlétique, donc qui est très fort à la récupération du ballon, mais il est capable de se projeter, il est très juste techniquement, il est capable même de dribbler, il est même très bon en termes de dribble. C'est vraiment un milieu de terrain hyper moderne, hyper complet, que moi personnellement je verrais très bien en première ligue, tellement il sait un petit peu tout faire sur le terrain, il est puissant, il est technique, il a des appuis vraiment incroyables. Concernant ses statistiques détaillées bref, il y a du vert partout les amis, c'est incroyable. Donc en termes défensifs, c'est très bien en duel aérien, en dégagement, en bloc, en tacle, seulement en interception, il en fait seulement une par match, ça pourra être peut-être amélioré du côté du Paris Saint-Germain. Là où moi ça me plaît énormément, c'est les progressifs passes pour un milieu de terrain, il fait 7,64 passes par match qui cassent la ligne, c'est-à-dire qu'il fait des passes dans les intervalles qui vont casser soit la ligne du milieu de terrain, soit la ligne de la défense adverse, et ça c'est vraiment une preuve qu'il a de la personnalité et qu'il est très juste balle au pied. Et c'est un milieu de terrain qui est capable de se projeter comme je vous l'ai dit et qui est capable de marquer des buts, il marque un but tous les 5 matchs, il tire 1,5 fois par match, donc ça c'est excellent, ça nous rappelle un petit peu l'époque Blaise Matuidi où il était capable de mettre des frappes de loin, un petit peu Adrien Rabiot l'a fait, Leandro Paredes l'a fait aussi un tout petit peu à l'époque, mais surtout Vitinha en ce moment il commence vraiment à se lâcher, à tirer de loin, et au Paris Saint-Germain avoir des milieux de terrain qui tirent de loin, moi personnellement c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Donc moi personnellement je serais très content si Ibrahim Sangaré vient au Paris Saint-Germain, c'est un joueur que je piste un petit peu comme ça dans mes mercato parfaits etc. depuis 2 ans, c'est un joueur que j'aimerais beaucoup voir au club tellement il est complet, tellement il est capable de tout faire pour un milieu de terrain, et ça nous ramènerait la taille au milieu, ça nous ramènerait quelqu'un qui est capable de récupérer les ballons dans les pieds mais qui est capable de se projeter, qui est capable de gagner des duels aériens, parce que là quand tu regardes le milieu de terrain du Paris Saint-Germain en termes de gabarit c'est pas très grand on va dire. Si tu pars avec un milieu de terrain Ugarte, Verratti, Zaïre-Emery, ça reste pas très grand en termes de gabarit, alors que si tu pars avec un milieu de terrain Ugarte, Sangaré et Warren Zaïre-Emery ou Vitinha, c'est déjà un petit peu plus étoffé, un petit peu plus complet je trouve, et c'est un joueur qui a énormément de volume, qui est capable d'aller harceler l'adversaire au pressing, et on l'a vu de toute façon avec Luis Enrique, c'est ce qu'on a besoin de ça, donc ça c'est parfait en termes de profil, pour moi il coche toutes les cases. Le seul défaut que j'ai peut-être à lui reprocher, c'est le fait qu'il vient d'un championnat mineur, donc il vient d'Eredivisie, donc peut-être que il va devoir se réadapter à la Ligue 1 même s'il y a déjà joué dans le passé, mais c'est surtout la Ligue des Champions, il faudra voir s'il arrive à rivaliser avec les plus grands milieux de terrain d'Europe. En tout cas s'il y a le Bayern et Liverpool qui s'intéressent à lui, c'est pas pour rien non plus. Personnellement je suis 100% pour sa venue, bien plus que pour Federico Chiesa. Pour moi Ibrahim Sangaré ça doit vraiment être une priorité au milieu de terrain, tellement c'est un joueur que j'aimerais bien voir au PSG. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre l'arrivée d'Ibrahim Sangaré, et si vous êtes contre, expliquez-moi pourquoi, je serais curieux de savoir. On passe à la troisième rubrique du jour les amis, c'est les ventes, et donc la première vente elle est officielle les amis, c'est le départ de Gassama à Sheffield, mais pas le Sheffield de D1, le Sheffield de seconde division anglaise en Championship. C'est donc une vente à 1 million d'euros plus 20% à la revente, donc voilà c'est intéressant pour lui, il était dans le loft, il était dans les joueurs indésirables du PSG, il va pouvoir s'exprimer, lancer un petit peu sa carrière en Championship qui est un championnat qui est hyper bien, hyper divertissant, hyper concurrentiel, donc bonne chance à lui, j'espère qu'il va percer et qu'il va réussir à jouer en première ligue dans les saisons à venir. Forcément la grosse vente du moment c'est Neymar, vous le savez, qui est parti à Al Hilal pour 100 millions d'euros, on ne sait pas exactement, il aura le numéro 10. À chaque post Instagram ou story Instagram qu'il fera en parlant de l'Arabie Saoudite, il va prendre 500 000 euros, donc c'est incroyable. Donc vous connaissez déjà mon avis sur le sujet, moi je suis dégoûté que Neymar parte seulement à 31 ans comme ça en Arabie Saoudite. Je vais faire une vidéo je pense récapitulative de son histoire avec le PSG, les meilleurs moments de Neymar au PSG, je pense qu'on va se faire ça, ça va être très intéressant. Mais un autre joueur du PSG qui a sûrement parti à Al Hilal, c'est Keylor Navas apparemment, qui serait pisté par le club, vente à peu près de 2, 3, 4 millions d'euros, ça serait toujours intéressant pour nous mais aussi pour lui à 36, 37 ans d'avoir un dernier challenge. J'espère quand même qu'il va rester en Europe, qu'il va se trouver un club en Italie, en Espagne ou quoi que ce soit, parce que voilà, moi vous le savez je suis pas fan des joueurs qui vont en Arabie Saoudite, et Navas c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, donc si je peux continuer à le voir en Ligue des Champions ou en Ligue Europa je serais très content. Les autres ventes du moment c'est Paredes et Renato du côté de l'AS Roma. Paredes c'est fait pour 3-4 millions d'euros du côté de l'AS Roma pour une vente, et Renato ce serait un prêt avec une option d'achat ça. José Mourinho veut donc installer un milieu de terrain à la Roma, Aouar, Paredes, Renato, 100% Ligue 1. Franchement, ça aurait la gueule si les joueurs n'ont pas de blessures, etc. Ça serait vraiment un bon milieu de terrain. Je pense surtout à Renato Sanchez quand il est à 100% physiquement, c'est un putain de joueur, mais voilà, il est jamais à 100% physiquement. La dernière rumeur concernant les ventes aussi, c'est Ekitike. Donc il y a le Milan AC, Everton et Francfort qui sont intéressés par le joueur, mais il n'y a pas encore d'accord avec lui. Lui, il aimerait bien rester au Paris Saint-Germain, c'est son club de cœur, etc. Mais apparemment, le club lui donne des signaux comme quoi il préférait le vendre pour 30-35 millions d'euros. C'est vrai que ce serait un prix quand même intéressant pour nous. Mais dans ce dossier-là, je pense que la décision va revenir à Luis Enrique, s'il veut le garder ou non, s'il va le faire jouer ou non. J'ai l'impression que Luis Enrique apprécie plutôt bien Hugo Ekitike. On verra ce qu'il en est. Moi, vous connaissez mon avis, j'adore Ekitike, donc si ça peut juste être un prêt, ça m'arrangerait. J'aimerais bien qu'il s'impose au PSG dans les années à venir. On verra ce qu'il en est. Enfin, ce qu'il en sera plutôt. Et la dernière rubrique du jour, les amis, c'est Neymar versus Mbappé. Je sais pas si vous avez vu ça, mais Neymar a liké un post un petit peu contre Mbappé qui disait que Mbappé avait voulu le départ de Neymar l'année dernière et que là, si Neymar partait le jour où Mbappé était de retour dans le groupe, c'était pas un hasard, c'était pas une surprise. Moi, je pensais qu'ils étaient redevenus potes, Neymar et Mbappé. On les a vus cet été en soirée avec Lewis Hamilton, etc. Ils faisaient que de rigoler ensemble, donc je pensais que les tensions s'étaient un petit peu apaisées, mais apparemment non. Neymar et Mbappé, il y a encore de l'huile sur le feu. Et donc le retour de Mbappé dans le groupe, ça on l'avait deviné, est vraiment lié au départ de Neymar. Donc voilà, c'est un petit peu triste. Voilà, c'était vraiment une bromance entre les deux. C'était les deux frérots, le duo du Paris Saint-Germain qui nous faisait rêver, et ça se termine vraiment mal. Donc voilà, ça me rend un petit peu triste, les amis. Je voulais vous en faire part. Je sais qu'il y en a plein qui s'en fichent de ce genre d'histoire, Neymar versus Mbappé, etc. Mais voilà, moi ça me fait de la peine. C'est les joueurs qui j'avais quand j'avais 16-17 ans et jouaient ensemble, ça me faisait rêver. Maintenant je les vois un petit peu se tirer dessus, surtout Neymar sur Mbappé. Mbappé a l'air un petit peu hypocrite avec Neymar. Voilà, ça me rend un petit peu triste de voir ça, donc je voulais vous en parler. Voilà les amis, c'est tout pour les actualités du mercato du Paris Saint-Germain. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, vous connaissez la chanson, mettez un maximum de pouces bleus et de commentaires. Et abonnez-vous les amis, vous êtes plein à regarder mes vidéos sans être abonné, c'est pas normal. Si vous étiez tous abonnés, on aurait déjà plus de 20 000 ou 30 000 abonnés, donc abonnez-vous les frérots. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace.